Vous savez, si je deviens président, moi qui l'ai, il y aura des droits de poursuite comme Israël l'a fait contre les nazis. Tout pays qui aura hébergé quelqu'un qui a été avec Kabila, soi-disant Kabila, quelqu'un qui a détourné l'argent, même à l'époque de Mobutu, même à l'époque de Kassavubu, il y a des commissions. Tout celui qui avait volé l'argent du Congo, nous allons demander à ces pays-là d'extrader ce type ou cette femme, de revenir au Congo. J'ai dit ça plusieurs fois. Nous n'allons pas tuer la personne. Nous allons lui tendre la manche. Mbongo Yiba, na Congo, yaka créer ma société na Congo pour os créer emploi. En échange de la prison. Ce ne sera pas le pendre ou le tuer, mais c'est ce que nous voulons faire. C'est ce que le soi-disant Kabila a fait. Et le voyou de son frère qui tue les gens, si c'est Zoé, si c'est qui? Si ces gens aiment le Congo, pourquoi ne pas construire des routes? Il y a des villages et des villages qui n'ont jamais été interconnectés. Pourquoi ne pas créer des routes? Pourquoi ne pas créer des écoles à Bandalabissou? Pourquoi ne pas créer des hôpitaux? Pourquoi ne pas créer des universités au Yibimbongo, au Tikombo au Lobinga na Yibimbongo? Je n'encourage pas les vols. Pourquoi ne pas créer des histoires qui bénéficient à la communauté? Yo au Yibi, au Kei, au Tikombo na Canada, au Tikombo na États-Unis, na Poto. Et puis, tu voudrais revenir pour nous enquiquiner. Tout l'argent que Moïse Katumbi a volé, est-ce que ça na Congo, dans une banque du Congo, sait où son compte bancaire détient combien d'argent? Il ne peut pas nous montrer ça. Ça prouve déjà qu'il n'aime pas le Congo. Il n'aime pas le Congo. Mon naïf, il fallait ça na Congo. Mais ils allaient à l'étranger. Et ils voudraient venir nous écraser avec cet argent. Pas question. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Diamandari Kilele, le président du Parti national congolais. Chers téléspectateurs, nous avons voulu juste recevoir ses compatriotes qui aiment son pays. Nous avons voulu analyser ensemble avec lui l'accord politique qui a été signé, disons, cet accord qui a été proposé. Je crois qu'il a un peu démontré, donné sa position, éclairci un peu la position de la Senko, sa mission, sa vision. Donc, voilà, ça. Senko mission des années, est-ce qu'il y a un espoir RDC? Je ne pense pas, selon les déclarations de M. Kilele. M. Kilele, on s'étend presque à la fin. Je crois que beaucoup d'entre nous, compatriotes, dans la diaspora, dans l'Ibanda, dans les choses branchées, quand même avec l'éclaircissement, quand même un peu idée concernant l'accord Oyo, peut-être. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Salut, salut, salut à tout le monde. Salut nos amis téléspectateurs. Salut nos amis internautes. Bienvenue chez vous. C'est moi encore votre serviteur, Josué Boloa. Je suis venu encore dans vos petits écrans et à vous, les amis internautes, vous avez branché naba laptop nabino, naba computer nabino, naba tablette nabino. Nous sommes venus encore dans vos petits écrans pour encore réfléchir encore une édition spéciale avant que. Voilà, ça c'est une édition de Espace Dialogue avec moi, Josué Boloa. Dans votre site internet www.congodialogue.com. Très ravi de recevoir encore un compatriote, un Congolais, celui qui a toujours le souci de l'épanouissement et du développement de notre pays. Je crois que c'est vraiment une face à ne pas ignorer. Nous l'avons reçu dans des émissions précédentes. Aujourd'hui, nous allons encore discuter avec lui l'évolution de la politique de la RDC après le 20 décembre.
où sommes-nous? Mboke zokende wapi, RDC zokende wapi, toza wapi, tope tozo kende wapi. Après des manifestations, des tensions que vous avez suivies, vous et moi, ce qui se passe au niveau de la ville de Kinshasa et tout étendu de la RDC, je crois que les Congolais se posent beaucoup de questions. Et je crois qu'ensemble avec mon invité du jour, nous allons essayer un peu de réfléchir, est-ce que ça va? Le train qui conduit la RDC, Ezana Nzela Malam, totoza déjà Libanda. Alors, sans plus tarder, je vais recevoir mon invité, à la personne de M. Djemadari Kilele, le président du Parti National Congolais, résident ici en Afrique du Sud. Monsieur, bienvenue encore. Merci beaucoup. Merci sur votre plateau. Mmh. Merci et salut à tous les spectateurs, les téléspectateurs. Voilà, je crois que nous n'allons pas aller plus dans le détail de ce qu'est M. Djemadari Kilele. Je crois qu'avec nos émissions précédentes, les gens étaient vraiment très bénis, très édifiés. Révolutionnant même, disant que vraiment tous en a besoin Moutoubou et pourquoi pas comme président Lelo Oyo. Hein, je crois qu'on avait quand même des résultats et puis des feedbacks un peu positifs. Monsieur Kilele, après le 20 décembre, il y a eu des accords signés, des débats encore, des dialogues, ainsi de suite. Je crois qu'avec des émissions précédentes, vous nous avez bien prévenu que accord tout dialogue au même Akongona et le place mon côté. Aujourd'hui, tous au côté de Sous Nakati, il y a dialogue en Golisous. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez en tête après le 20 décembre? Merci. La réponse sera une répétition de ce que j'ai dit. Yes. Et ce que vous venez de dire, ce que j'avais prédit, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir prédit ce qui est arrivé. Tolobaki, qu'il n'y aura pas un résultat positif parce que tout au début, on s'était trompé en nous engageant dans ce dialogue là-bas. Nous avions dit, et nous le disons encore, qu'on ne dialogue pas avec un criminel. On ne dialogue pas avec un gouvernement criminel. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est venu au pouvoir en prenant des armes de deux ou de trois manières. L'AFDL, quand elle est entrée, c'était les armes. Ce n'était pas une démarche démocratique. Sans doute, c'est une des formes classiques dans la prise de pouvoir. Ceux qui ont fait les droits, ceux qui connaissent bien l'actualité politique, connaissent qu'il y a trois, quatre façons d'accéder, de prendre le pouvoir dans un pays. Quand il a été soi-disant élu, en 2006, il a été mal élu, il n'avait jamais été élu. C'était la tricherie. En 2011, je pense que c'était la même chose. Donc il y a eu la fraude électorale et puis il y a eu la confrontation armée avec Jean-Pierre Bemba. C'était tout cela, pour moi, je trouve que c'était de la brutalité. C'était un coup d'État. Partout, c'était des coups d'État. L'entrée de l'AFDEL, première élection, deuxième élection, tout ça, c'était le coup d'État contre le peuple congolais, contre l'État congolais. À part ça, les Congolais sont bien avisés que nous avons affaire à un étranger, qu'il soit africain, noir ou pas, mais c'est un étranger. Les cartes, les frontières des cartes ont déjà été tracées et ça ne sert à rien de pouvoir reviser ça comme Kagame voulait le faire. Il est africain, d'accord, mais il est étranger. Tous les Congolais savent que ce type, c'est un étranger. Ce n'est pas un point du jour. Oui. Alors, s'engager dans un dialogue, les autres ont pesabissou et l'autre mon côté. Parce que c'est lui qui avait promulgué cette constitution il y a quelques années, je pense en 2006. Il avait brandi la constitution comme ça, les documents. Ce document, c'est un contrat social qui les lie à la nation, qui les lie à son gouvernement, qui les lie au monde entier. Parce que le Congo fait partie des pays qui respectent les droits internationaux. Et même dans son dernier discours à la nation, il a dit « Mon sort est déjà réglé par la Constitution ». Il a dit ça. Ce que signifie... Si son sort est réglé par la Constitution, il doit respecter cette Constitution. Alors, s'engager dans un
dialogue avec lui, c'est déjà une trahison du peuple, de la population et de la même constitution. C'est une erreur, vous savez, d'entrer dans les halls et s'engager dans des discussions avec un criminel. C'est comme quelqu'un qui veut faire comprendre aux djihadistes, aux musulmans, que Allah n'est pas Dieu, que le prophète Mohammed n'est pas un prophète. Ça ne peut pas entrer dans leur tête. Yeah. Ça sera difficile. Ça sera difficile. La réaction sera de vous trancher la tête. Yeah. Il en est de même avec lui. Vous voulez lui faire comprendre quoi? Quelqu'un qui y a fait son ascension au pouvoir par les armes et par la tricherie. L'unique langage qu'il comprend, c'est le langage du sang. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas... Parce qu'en allant dans les discussions, nous sommes en train de nous agenouiller devant lui. Nous l'implorons, comme nous le faisons dans les églises, dans les mosquées et dans d'autres lieux saints. Nous lui disons, pardon, tu as pouvoir, pardon. En tout cas, maintenant, nous sommes ici, qu'est-ce que tu as? Mais ce n'est pas ça la position ou le langage que nous devons tenir. La constitution tranche net les deux mandats qu'il a usurpés. Il a usurpé parce que ce ne sont pas des mandats normaux. Comme nous lui avons permis d'arriver à la fin de ce mandat, nous n'allons pas nous agenouiller devant lui. Nous devons les tuer. C'est tout ce que nous devons faire. L'arrêter, c'est encore lui donner un peu une chance. Nous devons l'exécuter. Comme on a fait au président roumain de l'époque, je pense, Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu, le génie des Carpates, lui et sa femme Elena. L'armée s'est emparée d'eux et les a exécutés sommairement. Il faut le faire. On a fait la même chose avec Samuel Doe. Nous devons l'exécuter. Qui ne quitte pas le Congo avec ses pieds, comme les gens disent, non, Akene et pas Aouta. Non, Akenete. Il a volé, il a tué, il a organisé des assassinats massifs, il a organisé l'Holocauste. Lui et ses acolytes doivent être tués. Donc, les dialogues n'apportent rien et n'apporteront rien. C'est juste un circuit des assoiffés qui veulent remplir leur CV pour qu'on dise un jour qu'ils ont été ministres. C'est tout. Monsieur Kilele, je crois que point de besoin d'y revenir à ce que nous avions parlé dans des émissions précédentes. Vous avez soulevé, vous avez encore d'évoquer le point en question, que les dialogues, en fait, ça affaiblit le processus et ça ne respecte pas la constitution. Tout mais à dis-moi, fait. Dis-moi, il y a des partis, il y a des opposants, il y a des oppositions qui disent que c'est le seul moyen. Parce que il n'y avait pas de moyens pour organiser les élections. Il n'y avait pas de moyens pour organiser les élections. Je ne sais pas quel sera votre point de vue là-dessus. Il y a un moyen qui a rapport à Roluka. Kimi a peut éviter violence. Il y a quelques semaines passées, il est allé que les gens soient focalisés sur le Christmas. Mais ça l'a mité. Le rapport de Zopé Samabi, il y a au moins plus de 22 mois, va couper. En fait, pour moi, il y a que dialogue, selon la partie opposant, va dire qu'il y a moyen de et qu'éviter violence dans le cas. Comme moyen d'organiser l'élection, c'est tout qu'il y a un dialogue, et je vais vous lire le rapport tout à l'heure là. Élection et salam à malam. Pour tous les temps, et pour ça l'élection, va tenir sur Bavanda, Toyokana, 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 l'élection pour tout à l'heure. Légalement à cause de là, comme président pour diriger la nation congolaise. C'est pas ça la solution. Le dialogue
Salemi Mingi na Congo. Même avant San City, en Afrique du Sud, il y a eu beaucoup de dialogue. C'est pas ça qui arrange la situation. Et puis, il n'y a jamais eu la paix au Congo depuis que Mobutu a Koufa. Yeah. Il n'y a jamais eu la paix. Nous ne devons pas nous voiler la face. Depuis que l'AFDL est Kota, Mobulupe est Kota Ramboka, Batoba Koufi, ma infrastructure est allée détruite. Il y a la mégestion, il y a une organisation mafieuse pour dilapider les biens publics. Donc, qui m'y est contacté? Et ce n'est pas à la 13e heure de la journée qu'on doit nous dire que non, pour que qui m'y est là, il faut tout un dialogue. C'est un échappatoire. Dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est un mensonge pur et simple. Pourquoi? Nous ne sommes pas les seuls. Il n'y a pas que les Congolais qui sont des observateurs ou des analystes. Il n'y a pas longtemps, la commission Bloomberg aux États-Unis est publiée et dénoncée la famille du soi-disant Kabila et Zali na 79 sociétés na Congo. Je peux me tromper sur les chiffres. Si c'est 79 ou 79, mais au moins, c'est dans la septantaine des sociétés, il y a famille Naye Kaka. À part ça, sa famille détient 120 permis d'exploitation minière au Congo. Sa famille seulement. Mais bien avant ça, il y a eu un scandale mondial où l'on a parlé des Panama Papers. Panama étant un des paradis fiscaux, il n'y a pas que le Panama, parce qu'il y a l'île de l'homme, il y a l'île Salomon, il y a beaucoup de paradis fiscaux où ce mercenaire et sa famille ont transféré l'argent qu'ils ont volé et qu'ils continuent à voler au Congo. Si ce type est déjà coté sur le marché d'investissement 15 milliards de dollars en ayant 8 ans, 10 ans de pouvoir, c'est plus que ce qu'on dit que le maréchal Mobutu a volé, lui qui aura fait 32 ou 33 ans au pouvoir, lui en 15 ans, plus de 15 milliards de dollars. Ce qui va le dire que Mbongo Zala quitté ou Mbongo Zalité. Pourquoi on ne peut pas arrêter ce type et demander à ce qu'on puisse retourner cet argent au Congo pour organiser l'élection? Ça, c'est un. De deux, il n'y a pas longtemps, le nouveau président Yasseni, si c'est Corneille Nanga, je ne sais pas s'il provient d'où, si c'est un Ougandais ou un Rwandais, parce qu'on ne connaît pas ce type, juste après la mort d'un autre homme obscur là, Malou Malou, on voit un type qui sort je ne sais pas d'où, et on dit qu'il est expert en élection, je ne sais pas s'il y a une faculté où les gens vont faire l'expertise des élections à l'université ou dans une école quelque part, du coup Corneille Nanga, et il prend un nom très poétique, Corneille, tu vois, ça nous rappelle l'ancien dramaturge français Pierre Corneille, qui a écrit la fameuse pièce de théâtre Les Cides que moi j'ai étudié. Corneille Nanga, il sort du néant, pouf. Mais bah, pas ça qui est bon, ndambo est bon côté. Peut-il justifier, il a fait quoi avec cette partie, même à tes acquis 100 000 dollars. Mais il doit justifier, mbongo n'a qu'un équipe. Je ne pense pas que ça a été l'argent, bah, pas ça qui est pour la corruption, pour continuer à faire. Et le tripotage, il y a ma fichier électoraux. Alors, on doit demander ou arrêter Kabila et demander à ces paradis fiscaux, Batin de l'Abisso, Mbongo Nabisso, na Congo, tout organiser l'élection. Il y a de l'argent au Congo. Donc vous pensez qu'il y a eu de l'argent? Il y a encore de l'argent? Il y a eu. Il y a de l'argent. En place, c'est une mauvaise volonté. Comment
c'est lui qui est le garant de la nation. Pas seulement de général d'armée. Il est le garant de la nation. Il peut dire que c'est ni Ezali indépendant. Ouais. C'est ni Ezali institution. N'est-ce pas? Mm-hmm. Ezali institution, mais cette institution, il y a Seni Sokotali Yango très bien. Mm-hmm. Bazali Bango tout dépendant de PPRD. Seni, Parlement, Sénat, mm-hmm. tous répondent aux ordres de PPRD. Yeah. Parce que leur nani Akoufi, nani Malumalu Akoufi, on devait peut-être lancer des appels d'offres pour engager quelqu'un qui est spécialiste dans l'élection. Oui. Et celui-là devait provenir de n'importe quelle obédience. Comment, quand vous suivez le langage de ce type, il parle le langage péperdien. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas une institution indépendante, c'est une institution inféodée au PPRD. Bango, Bayebi, ce qui lui donne comme argent et la mission qui lui est confiée. Mm-hmm. Mbongo, Ezali, na Congo. Beaucoup d'argent. Alors, eux veulent prolonger la mandature de ce soi-disant Kabila pour continuer à manger, à voler et à paupériser la population congolaise. Oui. Donc il y a de l'argent. C'est une mauvaise volonté seulement. C'est une mauvaise volonté. Parce que le lot, banomé nani, un premier ministre. Yeah. Comment un président dont le mandat arrive à son terme peut nommer un premier ministre sans se faire nulle part au monde? Son mandat est terminé. Il nomme un premier ministre avec quel pouvoir? C'est ce que nous, les Congolais, nous appelons Nzombo le soir. Mm-hmm. Oui, Nzombo le soir. Mandat Nessili a nommé premier ministre. Le premier ministre qui nous nomme, qui constitue une équipe, je ne sais pas, de 50 ou de 55 ministres. Mm-hmm. Maintenant, oui, ça monte même aux enchères, 67. Yeah. Bon. Il y a le gouvernement qui a installé 67 ministres. Il n'y a que le Mbongo pour installer les ministres, mais il n'y a pas le Mbongo pour organiser les élections. Non, ça c'est se moquer du peuple congolais. Et nous n'allons pas accepter ça. Ce gouvernement doit tomber et ceux qui l'ont avalisé au Parlement ou au Sénat sont tous des traîtres. On n'a pas besoin de ce gouvernement. On n'a pas besoin de Kabila. Ce que nous devons faire, c'est tuer Kabila et constituer une transition, pas avec le PPRD. Le PPRD n'a plus le monopole du pouvoir. Parce que après la fin de la mandature de leur chef de file, toutes les institutions tombent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Constitution l'a dit. Le Sénat, le Parlement, le cabinet ministériel, donc le gouvernement, tombent immédiatement. Mm-hmm. Mais alors, on nous amène un gouvernement Nzombo le soir. Pour faire quoi avec ça? Pour faire quoi avec ça? Ça, c'est une grande question que M. Djemadari Kilele se pose. Il se demande pour faire quoi avec le gouvernement qui a été mis en place, je crois, c'était annoncé vers le 18, le 19 c'est décembre 2016. Et sachant que selon la Constitution, la loi qui régit le pays, que le gouvernement en place devait terminer son mandat et que nous puissions aller aux élections, comme tout autre pays en font, n'est-ce pas? Alors, M. Kilele, si vous êtes juste venu nous rejoindre, vous avez des questions, des préoccupations, vous hésitez, vous avez numéro dans votre petit écran, vous comme la biseau, vous benga, n'est-ce pas, vous pouvez savoir la réflexion à Bino. Je suis avec M. Kilele Naplato Nabiso, il est le président du Parti National Congolais ici en Afrique du Sud. Alors, vous approchez dans congodialogue.com. Bonjour, Landa, émission Nabiso. Monsieur Kilele, une réflexion un peu très, très, très poignante, une réflexion un peu. Natikinaba, téléspectateur, va me réfléchir un peu, peut-être, parce qu'il t'a réfléchir en côté. Mande Sili, gouvernement en place, même si vous êtes en place là, vous êtes aussi analyste politique, vous aussi faites partie de ces débats, vous êtes aussi la bienvenue à nous contacter pour que nous puissions discuter ensemble, avoir un éclaircissement sur cela. Après le 29, après le 20 décembre, M. Kilele, il y a eu un accord politique qui a été conclu. Je cite, je crois que nos téléspectateurs, nos analystes politiques qui ne peuvent pas me dire le contraire,
Ce que vous avez besoin d'informations, d'ailleurs, ne cherchez pas à critiquer sans pourtant en demander. Il y a l'accord politique conclu, il y a le rassemblement de Tshisekedi, plus les signataires de l'accord du 18 octobre. Ils ont dit ceci. Oui, peut-être le pouvoir en place reconnaissent que le mandat est sili. Mais étant donné que l'élection est salam acquitté, il y a un dialogue. Le dialogue on est côté ici et sangissi rassemblement, aux dirigé par le docteur Étienne Tshisekedi. Et puis, il y a un signateur, Balobi. Le premier point, Balobi, M. Joseph Kabila reste président, mais ne pourra pas se présenter pour un troisième mandat. Votre point de vue là-dessus. C'est une traîtrise. Et je pense ici que les Congolais, tu as une chance de faire ce qu'il dit. Ce qu'il dit, et Hippolyte Kajambe et Kanambe, doivent être arrêtés. Celui, j'ai suivi son discours, il a dit la population congolaise ne doit plus reconnaître Kanambe et il n'engage Kanambe ne doit plus engager le Congo ni à l'intérieur ni à l'extérieur du pays parce que son mandat est terminé. Vous savez, pour un homme de droit et de surcroît avec un grand titre, docteur en droit, parce que chez nous, dans la conception africaine, on croit un docteur, c'est un savant. C'est scandaleux pour un docteur en droit qui doit demander à la population de ne plus reconnaître Kabila, soi-disant Kabila, entre guillemets, comme étant président. Mais lui s'engage dans une discussion de première mi-temps et de deuxième mi-temps. Vous voyez? Nous allons bientôt, la deuxième mi-temps. Yeah. Et nous attendons la conclusion ou le verdict de ce qui provient d'être là. C'est paradoxal pour quelqu'un qui a fait le droit. Et là, je défie tout homme de droit qu'ils doivent faire très attention. Ils se disent les hommes de droit. Et il croit que le droit, la loi, c'est un domaine privé pour eux. Mais nous tous, nous lisons ça, bien que nous ne soyons pas tous du domaine. Ce sont des livres qu'ils ont écrits. C'est paradoxal. Tu sais qu'il dit, c'est trompe. Et tout ce qu'il dit à la population, c'est un mensonge. C'est un agent du pouvoir en place. Peut-être. Je réponds mal à ta question. Je ne vais pas trop dire parce que j'ai trop parlé de Tshisekedi. Et je trouve que ce serait lui donner trop de poids ou de prestige quand je continue à parler de lui. Parce que l'IDPS et le peuple congolais doivent se trouver un autre leader ou complètement écarter ce type ici. Parce que ça provient d'une sorte de débilité mentale. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit. C'est comme un perroquet. Ouais. Et ça ne le fait pas respecter au public. C'est pas ça. Il doit se retirer. Et voilà. Mais il est appelé l'espoir de la nation congolaise. Non. Hein? C'est grâce à lui aujourd'hui, peut-être, il n'y a pas de tension, de violence. Non, vous savez, je vais lui donner un sobriquet. Hein. Il doit désormais commencer à s'appeler, ou nous devons commencer à l'appeler Monsieur l'Anesthésie. Monsieur l'Anesthésie, c'est-à-dire. Vous connaissez dans le domaine médical, quand on veut vous opérer, pour qu'on vous mette dans un état végétatif, et on vous injecte ce liquide, afin quand le médecin amène son bistouri, il vous opère, vous le regardez comme un robot et vous ne sentez pas la douleur. C'est ce qu'il fait. Chaque fois que la population veut se réveiller, lui injecte à la population avec son discours
l'anesthésie. En disant, en demandant à la population, vous devez vous mobiliser, mais manifester pacifiquement. C'est de l'anesthésie. Hein? Il n'y a jamais eu de révolution pacifique au monde. Le mot révolution lui-même sonne une violence. Ouais, ça. Mm-hmm. Ça tranche une violence. On peut bien. Bon, la révolution signifie les changements. Mais très souvent, dans le mental de tout le monde, mm-hmm. quand on parle de la révolution, mm-hmm. il y a toujours un élément de violence. Et nous tous, le monde entier, se réfère à la Révolution française. Elle demeure une leçon du monde entier, la Révolution française. Elle nous a appris comment se débarrasser de la monarchie, de la dictature, de méchants hommes, des ingrats. Mmh. Voyez. Et là, si vous permettez, peut-être avant de poser notre question, comme j'abonde dans la référence historique de la Révolution française, si vous me permettez une minute, je dois parler, même en comparaison avec le prélat, la Cinco. Vous savez, vous me permettez? Ok. Je crois que cet accord que je vais énumérer, c'est ce point-là. Ils ont dit après leur dialogue hein, que cet accord sera présenté demain. Donc c'était le jour suivant, demain en plénière, suivi de la signature et médiation de la CENCO. Donc, nous y arriverons. Comme ça, vous allez nous dire la position, parce que c'est comme si la RDC, pour le moment, dépend que de la CENCO. Voilà. Et là, je ne vais pas vous donner assez de chance. Voilà. Je vais directement parler de la CENCO. Voilà. Je passe désormais, nous, au Congo, nous devons être stricts. Lorsqu'il y a un groupe d'individus ou un individu, peut-être moi, mais parlons d'un groupe d'individus, doivent se prévaloir du droit de parler au nom du peuple congolais. Je pense, avec le temps, ils doivent présenter un mandat qui leur est donné par la population. Parce que je ne néglige pas totalement ce que le prélat, ce que la Cinco fait. Mais je disais, parce que il n'y a personne qui a mandaté ce religieux de parler au nom du Congo ou au nom des Congolais. Sans embâche, je dis que c'est une usurpation du pouvoir. Parce que dans l'histoire, nous connaissons combien l'Église catholique et le prélat ont trahi le monde. Voyez, nous connaissons, même lors de la première et la deuxième guerre mondiale déclenchée par l'Allemagne, comment, quel était le rôle du Vatican pour faire échapper les criminels nazis. Nous connaissons ça. Alors je disais que le prélat, la Cinco n'a pas le mandat du peuple pour parler au nom du peuple. C'est une usurpation du pouvoir. Vous savez, quand vous allez dans la Révolution française, et je me rappelle, c'était au mois de mai 1789, quand le roi Louis XVI avait convoqué les États généraux, il y avait 1200 délégués qui sont venus de partout à travers la France. Et quand ils étaient au château de Versailles, le roi, ses ministres et les membres de la noblesse et des clergés se sont retirés. Après un moment, il a laissé les délégués dans les halls. Et il a envoyé quelqu'un pour demander aux délégués, aux députés, de foutre les cas, de se disperser, de s'en aller. Il y avait un homme héroïque et qui s'appelait le comte de Mirabeau.
qui s'est levé. Et laissez-moi que je me lève à son honneur. Et qui a dit, va dire à ton maître que nous ne quitterons pas cette salle sans qu'on rédige une constitution pour la France. Nous ne quitterons ici que par les coups de baïonnette. Je m'assois. Nos prélats, le gens de 5 ans, ne devaient pas continuer à discuter avec les délégués de Hippolyte Kagame Kanembe. Ils ne sont pas allés là-bas pour discuter, pour dialoguer. Si réellement ils nous disent qu'ils parlent pour le peuple congolais et les Congos, leur mission serait de dire, nous sommes venus ici te dire, tu n'es plus président, respecte la constitution et nous n'acceptons et nous ne respectons que la constitution. Donc il n'y a pas de dialogue, nous voulons te le dire. Si tu ne sais pas lire les documents constitutionnels, nous te disons que tu n'es plus président et c'est fini. Alors, allez au deuxième, troisième, quatrième, cinquième round. Au début, on nous a parlé d'un dialogue de 3 jours. Je pense que nous allons à la deuxième semaine. C'est quoi? Les religieux cherchent quoi? Et après, on nous dit non. Bon, ils ont ajourné les discussions pour aller lire la messe de Noël. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la souffrance congolaise? La messe de Noël. Mais nous sommes habitués à ça depuis 1482, depuis que les prêtres sont chez nous au Congo. On ne fait que dire la messe, la messe, la messe. Ça a changé quoi? Et après cela, bon, ils ont pris l'avion pour aller au Vatican. Ah ben, finalement, on apprend que le président du Congo, c'est le pape. C'est ce qu'il veut nous dire. Que ce n'est pas Kabila, le président du Congo, c'est le pape maintenant. Ah bon, si c'est le pape, bon, d'accord, qu'est-ce que le pape nous dit maintenant? Quels résultats nous avons depuis qu'ils sont allés au Vatican? Alors, vous voyez que et les prélats, il y en a 5 ans, et les opposants, soi-disant opposants, les opposants signataires et non signataires, coup de chapeau aux non signataires, mais signataires, ce sont tous des complices, ce sont tous des conspirateurs contre les Congos et contre le peuple congolais. Et alors, tout ce qu'ils auront décidé et le verdict qui en sortira sera non et non avenir, c'est nul. Sera nul et non avenir. Donc, M. Kilele, vous pensez que la CENCO n'a pas de place ou n'aura même pas de place et n'aboutira, n'apportera absolument rien pour la stabilité de notre pays? Écoutez, ce sont des citoyens congolais. La libération du Congo n'est pas un monopole d'un individu ou d'une caste. C'est pas ce que j'ai dit, comprenez-moi très bien. Mais ils n'ont pas reçu mandat du peuple. Vous voyez, ils sont différents de parlementaires. Je dis parlementaires et sénateurs. Sénateurs dans un pays où il y a réellement la démocratie. Je ne parle pas du Parlement congolais ou du Sénat congolais. Ça, c'est de la bouillabaisse. Ça, c'est rien, ça. Ce sont des clubs de mafieux. Ceux-là qui forment les congrès quand ils sont réunis. C'est pas ça. Je parle dans un pays où il y a la démocratie, en France, en Angleterre, ou aux États-Unis, etc. Là, dans un pays démocratique, le parlementaire et le sénateur ont mandat du peuple. Vous voyez? Les nôtres n'en ont pas. Ce sont des mafieux. La même chose avec les gens de 5 ans. Ils n'ont pas le mandat du peuple. Ce sont des conspirateurs. Ils ont fait un coup d'état moral. C'est la même. La religion, qu'est-ce que les églises font? Ils se disent, ils sont des donneurs de leçons de morale. Vous voyez ça? Qui a appelé les églises à donner la leçon de morale aux individus au monde? Qui? Parce que nous connaissons ce qui se passe au Vatican. Au Vatican, c'est de la prostitution. Au Vatican, il y a des femmes qui mettent au monde. Au Vatican, il y a des femmes qui avortent. Au Vatican, ils mettent au monde des enfants qui ne reconnaissent pas. Et les scandales étaient sortis de cela 5 à 7 ans, où les enfants en Angleterre, aux États-Unis, cherchent leurs parents qui sont des prêtres.
Et même le pape, à l'époque, avant que le pape ne meure, est intervenu pour qu'on puisse calmer la situation. C'est pas qu'il le dit, c'est écrit dans la presse, c'est dit dans les médias. Alors, des gens immoraux comme ça, comment est-ce qu'ils peuvent représenter le peuple congolais sans le mandat du peuple? Ce sont des complices, ce sont des amis de Kabila, parce qu'ils ne passent pas leur temps pour rien là-bas. Ils sont payés. Pendant tout ce... Il y a le per diem que l'opposition signataire et tous touchent comment vous appelez, ils touchent le per diem. Et par ici, moi, je demanderais même aux chrétiens congolais de cesser de donner des contributions de Mabonza dans ces églises là-bas. Parce que ces gens sont payés dans leur dialogue. Au-delà de ça, chaque dimanche ou n'importe quel jour, ils viennent là-bas avec des paniers pour nous rançonner, retirer même les paix que nous avons alors que nous ne travaillons pas, il n'y a pas de boulot au Congo. Et on donne de l'argent à ces gens là-bas qui veulent nous trahir dans ce genre de... Monsieur Djemadari Kilele, nous sommes avec lui, chers téléspectateurs, nos amis internautes, nous avons branché dans congodialogue.com qui est dirigé la malada, la grande dame, maman Francine Ngembe. Monsieur Kilele, donc pour vous, la Senko, let's say, can make it in English, it's useless. Donc, ça, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Il a d'avenir avec la Senko. Il a fallu que la Senko, yes. Excusez-moi si tu me donnes la parole, yes. Mais ils se disent l'église au milieu du village, n'est-ce pas? Et cela est vrai, n'est-ce pas? Ils sont partout, même dans les recoins du pays, il y a l'église. J'avais parlé de mon compatriote Tshisekedi, que si Tshisekedi disait descendons dans la rue, combattons ces gens, le peuple descendrait. Si l'église catholique qui se tape la poitrine qui n'ont au Congo, il y a 85% de chrétiens, je ne sais pas, 10% de musulmans et le reste sont des syncrétiques. Si l'église catholique était le village, était l'église, était au milieu du village, et qu'il était plus près du peuple, et qu'il s'apitoyait au sort du peuple congolais et du Congo, il suffit que l'église dise, nous voulons que le Congo demeure toujours chrétien, ces gens sont venus nous envenimer, nous devons le combattre. Qu'est-ce qui les empêche de dire ça? Qu'ils ne se cachent pas sous des soutanes. Nous avons besoin de Bango, est-ce qu'il y a un Rwanda, il faut que nous nous occupions de ça. Nous avons besoin de ça. C'est de l'hypocrisie ou quoi? Mais ils doivent cesser cette hypocrisie. Ce sont des êtres comme nous. Ils mangent, ils boivent. Ils font le sexe comme tout le monde. Pourquoi ils doivent? S'ils veulent s'impliquer dans la politique, on ne refuse pas, ce sont des citoyens du pays, ils doivent agir d'une manière ouverte et non pas aller là-bas comme ça, hypocritement. Ce n'est pas ça, nous tous nous souffrons. Si le peuple congolais meurt, s'il y a l'Holocauste, il y a génocide, ils vont prêcher dans quelle église? S'il n'y a plus de gens qui viennent là-bas. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc ils doivent nous protéger, ils doivent être militants. J'ai dit à mon Senghor et j'ai dit à tout le monde, décrétez la descente dans la rue. Et vous verrez que tous les chrétiens vont descendre dans la rue et nous allons chasser les gens qui nous inquiètent. Je ne suis pas contre vous, je demande seulement à ce que vous soyez normaux. Il faut cesser l'hypocrisie. Vous êtes des êtres humains comme nous. Vous avez les besoins comme nous. Vous êtes une institution, vous mangez, vous buvez, vous faites le sexe. Alors il faut mettre fin au mensonge et à l'hypocrisie. Voilà, M. Kilele Djemadari, chers téléspectateurs, nous ne voulons pas nous éterniser là-dessus parce que c'est une réflexion que nous voulons partager avec M. Kilele, le président du Parti National Congolais ici en Afrique du Sud, spécialement à Djobou. S'il y a des questions, des réactions contre ce qu'il a dit, vous êtes la bienvenue, n'est-ce pas, à poster vos questions. M. Kilele, point de besoin pour moi de continuer encore à vous donner des rapports, n'est-ce pas, de l'accord politique qui a été conclu avec le rassemblement politique que dirige Étienne Tshisekedi, y compris à Vital Kamerhe et ainsi de suite. Il y a le troisième point, ils ont dit que le gouvernement de transition avec les rassemblements, c'est-à-dire qu'il y aura un gouvernement de transition. On n'en a pas besoin. Avec le rassemblement doit diriger, vous n'avez pas besoin de cela. Il y aura... Surtout qu'il y a Azarias Ruberwa. Non. Kamerhe, est-ce que la Senko ne voit pas ça? Azarias Ruberwa qui fait proclamer
institutionnaliser son frère à Minembwe comme étant chef coutumier. Comment on devient chef coutumier dans un territoire où on n'est pas né? Comment? Ça sort de l'osmose. Hein? La cheftainité provient des origines. C'est comme la royauté, c'est comme la monarchie. Les familles ont commencé. Aujourd'hui, nous avons la reine d'Angleterre. Mais ce n'est pas n'importe quel Anglais qui va devenir roi ou prince. C'est toujours cette famille là-bas. Mais que cela soit mauvais ou pas, mais le monde est créé ainsi. Donc, du coup, son frère est intronisé chef coutumier de Minembwe. Mais il n'y a pas d'insulte que ça. Je demande à mes petits frères, moi je suis Moulega, à mes petits frères Babembe, faites la guerre contre les Rwandais qui sont à Minembwe. Attaquez-les, prenez toutes les vaches, parce que ces vaches mangent notre pelouse et nos feuilles. Donc, en retour, à Moulengue et partout, vous devez prendre toutes ces vaches, ce sont nos vaches à nous. Voilà. Voilà, mais ce qu'il est, il y a un autre point que l'accord politique conclu entre le rassemblement des Tshisekedi ainsi que les sénateurs de l'accord de 18 octobre. Ils disent qu'il faut qu'il y ait libération de cette prisonnier politique. Il y a aussi abandon des poursuites et retour de Moïse Katumbi au pays en RDC. Il faut qu'il y ait mise en place d'un comité de surveillance. J'ai même pas voulu signaler le deuxième point qui ont dit qu'il y a tenu des élections en dernier trimestre 2017. Vous en avez déjà dit. Il n'y a pas de chance que les élections n'auront pas lié. Dès que nous allons arriver en 2017 ou 2018, il n'y aura pas d'élections. Ils vont toujours amener des prétextes. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ils ont eu 5 ans. Mais c'est qu'il y a 5 ans, oui. Mais le type est garant des institutions. Comment est-ce qu'il n'a pas pu renflouer les caisses de l'État? Mais il savait ça. Et c'est là où j'attaque la Senko. Vous savez, la Senko sait très bien que pendant 5 ans, bateau, il fallait préparer Mbongo. Oui. Ils n'ont pas fait. Mais qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a fait une erreur? A commis une erreur. Mais il faut punir la personne, non? Oui. Mais la punition ici, c'est quoi? On n'a pas besoin de Kabila de la transition, on n'a pas besoin de PPRD, on n'a pas besoin de ce gouvernement ou de nouveau gouvernement de la transition. Il faut punir ces gens. Donc il n'y aura pas. Les élections n'auront pas lié. Ne soyez pas des naïfs comme on a toujours été. Il n'y aura pas. Alors tu parles de. Le retour de M. Moïse Katumbi et de. La libération de 7 prisonniers politiques. Yes. Mais je pense qu'il y a plus de prisonniers que ça. Pourquoi il n'y a que ces 7-là qui sont des vedettes? Hein? Les types qu'on a arrêtés, Eddie Kapend, Bazo Kotia est dans la prison pour Anini. Pourquoi Bazo Bimisayete, Aya Koloba réalité, Ndengenini et qui a tué Laurent Désiré Kabila? Mais c'était notre prisonnier. Même si le militaire qui n'appartient pas, peut-être. Je ne connais pas son aspiration politique à aucun parti politique. Babi Misapé Eddy Kapendete. Naba Moussouswana Bakangaka Bango lors de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Il n'y a pas que les 7. Bafongola Makala Nyoso. Bafongola Angenga Nyoso. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés illégalement, sans procès. Et le Congo a besoin de la vérité que ces gens doivent nous dire. Donc, il n'y a pas que ces 7 là-bas. Bofongo là-bas, Congolais, Nyoso, Oba, Kangama. Bon, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait un désordre parce que parmi les Congolais là-bas, il y a des voleurs, il y a des assassins, etc., qui ont commis des bévues. Yeah. Est-ce qu'il y a eu vraiment des bonnes auditions pour Bakangabango? Est-ce qu'il y en a eu? Je ne pense pas sous un régime d'occupation. Je ne pense pas. Mais moi, j'ai dit. Et que la bonne justice soit dite et faite. Potoyeba, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à propos de ces 7, ce sont des Congolais comme tout le monde. Mais n'attendez pas Moïse Katumbi comme les chrétiens attendent, je ne sais pas, le retour de ce type-là. Comment on appelle ça? Jésus-Christ. Hein?
On attend Jésus-Christ, ça fait 2000 ans, on nous dit que Jésus-Christ va revenir. Bon, c'est tout le jour qu'on attend, et il n'arrive toujours pas, mais tout ça, ce sont des mensonges. Jésus ne reviendra. Il viendra faire quoi ici, hein? Excusez-moi d'abonder dans la religion, mais ça fait partie de notre vie quotidienne. Jésus viendra faire quoi ici, sur la terre? Pour frapper à soi ou en terre, c'est ça qui est drôle. Bah, bête est fort à cause de la terre. Aucune la planète de Moussous a la terre, ma bête est fort à cause de la terre. Il viendra faire quoi ici? Qu'est-ce qu'il viendra? Jésus viendra faire quoi ça? Donc, la même chose, je voudrais parler de Moïse. Moïse a quoi ça? S'il est en Amérique, en Belgique ou en Israël, c'est là chez lui. Mm-hmm. C'est un mercenaire économique qui est venu voler, piller. Et là, il a Yibi et qu'on quitte. Mais qui ne reste là-bas. Donc, à cet accord, on ne doit pas s'attendre match de Moïse Katumbi. Mais il va venir faire quoi? Qui est-ce qu'il est au Congo? Bon, il a été populaire. Et il est populaire. Il a son équipe de Mazembe. Il n'est pas le premier. Avant lui, Mazembe toujours arraché des coupes. Et même après lui, il y aura d'autres investisseurs qui vont prendre Mazembe et vont amener Mazembe à bon port. Mais ce que nous devons savoir, ce qui est à la clima B. Bon, la justice doit s'en occuper. Mais ça ne doit pas être des conditions de négociation. Yanine, parce qu'il est voleur. Il a volé, il a pillé le Congo. Il a pillé le Congo. Et je pense que c'est quelqu'un qu'on doit appréhender, le juger. Il doit justifier sa richesse. C'est tout. Et il est qui? Qu'est-ce qu'il est? On n'est pas jaloux de son argent. Est-ce que lui, il a eu l'argent en Israël, au Portugal? Ou là où se trouvent ses ancêtres? Il a eu cet argent au Congo, c'est l'argent du Congo. C'est comme nous demandons, Mbongo Mugutu a yibo ba loketika na Suisse. Ezonga, eza Mbongo na biso. Tous ces gens-là qui ont volé et qui investissent ailleurs. Vous savez, si je deviens président, moi qui l'ai, il y aura des droits de poursuite comme Israël l'a fait contre les nazis. Tout pays qui aura hébergé quelqu'un qui a été avec Kabila, soi-disant Kabila, quelqu'un qui a détourné l'argent même à l'époque de Mobutu, même à l'époque de Kasavubu, il y a des commissions. Tout celui qui avait volé l'argent du Congo, nous allons demander à ces pays-là d'extrader ce type ou cette femme, de revenir au Congo. J'ai dit ça plusieurs fois, nous n'allons pas tuer la personne. Nous allons lui tendre la manche. Mbongo nyonso oyiba zonga na ngona Congo. Yaka ko créer ba société na Congo pour os créer emploi na bande kuna yo. En échange de la prison. Ce ne sera pas le pendre ou le tuer. Mais c'est ce que nous voulons faire. C'est ce que le soi-disant Kabila a fait. Et le voyou de son frère qui tue les gens, si c'est Zoé, si c'est qui. Si ces gens aiment le Congo, pourquoi ne pas construire des routes? Il y a des villages et des villages qui n'ont jamais été interconnectés. Pourquoi ne pas créer des routes? Pourquoi ne pas créer des écoles à Banalabiso? Pourquoi ne pas créer des hôpitaux? Pourquoi ne pas créer des universités au Yibimbongo, au Tikomonayo, au Lobinga na Yibimbongo? Je n'encourage pas les vols. Pourquoi ne pas créer des histoires qui bénéficient à la communauté? Yo oyibi okeyi koti mbongo na Canada, okeyi mbongo na États-Unis na poto. Et puis tu voudrais revenir pour nous enquiquiner. Tout l'argent que Moïse Katumbi a volé, ezali wapi? Est-ce que ça na Congo? Akoko la kisabiso na Congo dans une banque du Congo? C'est où son compte bancaire détient combien d'argent? Il ne peut pas nous montrer ça. Ça prouve déjà qu'il n'aime pas le Congo. Il n'aime pas le Congo. Mbongo na ye falaise en a Congo. Mais ils allaient à l'étranger. Et ils voudraient venir nous écraser avec cet argent. Pas question. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Djemadari Kilele, le président du Parti national congolais. Chers téléspectateurs, nous avons voulu juste recevoir ses compatriotes
qui aime son pays. Nous avons voulu analyser ensemble avec lui l'accord politique qui a été signé, disons, cet accord qui a été proposé. Je crois qu'il a un peu démontré, donné sa position, éclairci un peu la position de la CENCO, sa mission, sa vision. Donc, Bolandine Denga Otikopesa, CENCO missionné Zanine, est-ce qu'il y a un espoir RDC? Je ne pense pas, selon les déclarations de M. Kilele. M. Kilele, on s'étend presque à la fin. Je crois que beaucoup d'entre nous, compatriotes, dans la diaspora, dans les bandes, 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 dans les bandes. Ah, ce que vous avez dit, Congolais, solo et Seigneur, autant la bobelle Congo Dialogue. Congo Dialogue? Eh, t'es embêté? Aux assis! Ce que vous avez dit, Congolais, solo, au coquille, au zanga, au colo, mon côté, et Seigneur, autant la bobelle Congo Dialogue. Oye, ma camo, ma salle, collègue, à Kuna. Donc, www.congodialogue.com. Ce que vous avez dit, Congolais, solo? Yango, wana. Vous êtes à l'objet, vous êtes à l'objet. Congo Dialogue. Tina yango, ngai, pina, yeba, ma camo, ma collègue, à Kuna. Nabosanate. Otala rapekaka Congo Dialogue. Tembete. Yeah, so ata nazali congolais so ata ba mendele ki va ko kikotala congodialogue.com.